lancé une nouvelle programmation le 17 janvier, il y a peu, avec un projet spécial autour d'Olivier Mosset, avec Olivier Mosset, qui s'intitule « Collaboration ». En fait, le principe, c'est que Olivier, avec nous, on a choisi en fait des œuvres qu'il a réalisées. Chaque œuvre est réalisée entre Olivier Mosset et un autre artiste. Alors, il y a quelques œuvres qui étaient déjà existantes, et le CCS a produit 3 ou 4 nouvelles œuvres qui occupent l'espace principal de l'espace d'exposition. Mosset, il y a cette magnifique Chevrolet Bel Air 1965 qui a été installée à l'intérieur, enfin dans la cour du Centre culturel suisse. Une voiture qu'il a coproduite avec... avec Vincent Zarek et Jeffrey Chad. Donc ils l'ont décapée, repeinte, recustomisée avec ces fameuses banquettes 3 places en avant. Et vous pouvez voir, il n'y a pas d'appui-tête, il n'y a pas de ceinture de sécurité. C'est la liberté américaine de l'Ouest infini. Voiture qu'on a fait venir directement depuis l'Arizona, donc de l'Arizona, New York, traverser l'Atlantique, pour terminer dans cette cour du 16e siècle du Marais. Alors, comme à chaque fois dans notre programmation au Centre culturel suisse, on a deux espaces d'exposition. Une grande salle qui peut aussi avoir une partie qui intervient dans le hall d'entrée et une petite salle qui s'appelle la pièce sur cours. Dans cette petite salle, nous faisons une programmation plus rapide, le temps d'une programmation longue. Et elle commence avec un jeune artiste suisse de tout à fait une autre génération qu'Olivier Mosset, qui s'appelle Julien Charrière. 26 ans. 26 ans, pour 70 ans pour Olivier Mosset. Et qui nous a fait une pièce qui convient parfaitement à l'espace de cette petite pièce sur cours, qui s'intitule « We are all astronauts ». Une relecture de 13 globes terrestres qui sont dénués de la représentation du monde, puisqu'il a poncé la cartographie qui normalement est sur les globes. Et on a un nouveau paysage constitué de ces globes qui sont juste des globes, avec la poussière de la représentation des mondes qui se réfèrent à l'état du monde de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle.